Allez, en cette période, on continue de s'adapter. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous retrouver en vidéo et de continuer et de maintenir notre entraînement. Allez, aujourd'hui, on va pouvoir renforcer la totalité du corps. On va pouvoir repartir sur le haut, sur le bas. En tout cas, on va commencer par une bonne série d'abdos. Et là, je vous laisse tranquillement vous installer. On se met sur le dos et attention, c'est parti pour nos 5 premières minutes d'abdos. Le dos bien à plat. On garde les mains derrière la tête, toujours pour supporter le poids de la tête. Dans cette position, je suis déjà engagée dans mes abdos où je vais rentrer le nombril pour appuyer la totalité du dos en contact avec le sol. Ça veut dire que là, vraiment même au niveau des lombaires, j'aplatis ici pour que ma totalité du dos soit en appui au sol. Attention, c'est parti. On remonte ici que la tête et les épaules. Allez, je continue à bien souffler par la bouche. Et on repart à chaque fois en descendant en inspirant. Je remonte en soufflant et je redescends en inspirant. Allez, attention, c'est parti. On est déjà à 5, 6, 7, 8. 9, 10, attention, on va relever cette jambe droite. Et là, de la même façon, on remonte. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour pouvoir ensuite remonter directement les deux jambes. Et là, on fixe les deux jambes pour remonter que la tête et les épaules toujours. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on pose la tête et les épaules. Et on va pouvoir ramener simplement les jambes. Allez, on essaie de décoller un tout petit peu le bassin pour aller chercher suffisamment loin le mouvement au niveau des abdos. On garde la tête et le haut du dos relâché, les cervicales bien reposées. Et on continue ici à travailler seulement les abdos du bas avec ce mouvement de jambes. Allez, on continue. Et là, attention, on va pouvoir faire les deux en même temps. Vous êtes prêts? On garde les jambes tendues, on ramène les jambes et on remonte la tête et les épaules. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour pouvoir fléchir les jambes cette fois-ci à 90 degrés. Et attention, on va pouvoir pousser sur les jambes pour essayer de continuer à travailler les abdos du bas. Plus vous descendez les jambes, bien sûr, plus ça va être difficile. Mais vous ne descendez les jambes qu'à une seule condition, de garder toujours le bas du dos bien appuyé. Allez, on appuie très fort à chaque fois sur le bas du dos. On garde ce contact avec le dos et le tapis. Attention, on continue. Gardez les mains derrière la tête et on augmente la difficulté. Cette fois-ci, on va pousser sur les jambes en relevant la tête et les épaules. Allez, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, pour pouvoir cette fois-ci garder toujours les jambes à 90 degrés, on va pouvoir poser la tête et les épaules. On va pousser.
tirant très fort sur le bout des doigts, très fort sur le bout des pieds. Allez, on se grandit, on va tirer très fort et surtout, là, vous allez pouvoir justement créer un tunnel très important entre votre dos et la serviette. Allez, on se grandit et on relâche. Allez, encore. On va pouvoir tirer très fort une deuxième fois. On se grandit très fort ici, au niveau du bout des doigts, au niveau du bout des pieds. On se grandit et on relâche. Ok. Allez, on va continuer toute cette petite séquence. Simplement maintenant, en repartant sur le gainage. Petit quart de tour, on va pouvoir mettre le coude dans l'alignement de l'épaule. Si le mouvement est difficile pour vous, je vous invite à garder les genoux au sol pour pouvoir remonter le bassin simplement en ayant posé les jambes. Attention, si tout va bien, on y va. On garde les pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre comme vous voulez. Et attention, c'est parti, on relève le bassin ici et hop, je fixe le mouvement. Allez, on garde bien, bien, bien ici le bassin relevé, on garde cet alignement, on continue à bien respirer. Allez, super. On se concentre, on reste bien positionné. Attention, il va rester que quelques secondes. Vous êtes prêts? On va pouvoir repartir à plat ventre pour pouvoir travailler les muscles opposés aux abdominaux. Allez, vous le connaissez tous, on y va, c'est parti. On est à plat ventre et on va travailler le carré des lombes. Ici, on relève la poitrine des bras, la tête, les cuisses, les pieds. On est en équilibre que sur le bassin. Allez, je remonte ici et je redescends. Allez, on remonte. Et on redescend. On va veiller à garder les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale en continuant à regarder la serviette. Essayez de ne pas remonter le menton pour regarder devant vous. Allez, ce qui busquerait un petit peu plus les cervicales. Allez, on continue. On va encore travailler sur une dizaine de mouvements. Bien sûr, à chaque fois, je remonte en soufflant et j'inspire en descendant. Allez, encore. On souffle, on inspire. Allez, on va pouvoir arriver sur les 5 derniers mouvements. Allez, les 3 derniers. Et là, on relâche. On pose et bien sûr pour soulager le bas du dos, on va aller chercher cet étirement. Ici, on va aller s'asseoir sur les talons. Allez, avec le bout des doigts, on va aller chercher très loin. On inspire, on souffle bien. Pour ensuite basculer sur les deux mains ici. Allez, et là pour continuer à prendre soin justement de notre dos ici, on va pouvoir arrondir le dos pour essayer vraiment d'étirer au maximum le bas du dos. Allez, dans cette position, attention, je garde les mains ici à l'écartement des épaules, je me mets sur la pointe de pied et comme par magie, attention, c'est parti, on se retrouve en gainage. Ok, là on essaye de ne pas avoir le bassin trop haut ni trop bas, on essaye de garder cette planche en équilibre ici sur nos mains avec un bon verrouillage au niveau des épaules. Allez, vous êtes tous capables de tenir dans cette position. On souffle bien, on garde la position, on se concentre. Allez, attention, il va nous rester une dizaine de secondes. Allez, essayez de garder la position, ne creusez pas le dos. Vraiment contracter les abdos pour faire une planche solide. Allez, attention, on va pouvoir poser les deux genoux et on repartira cette fois-ci plat ventre encore. On va continuer sur notre dernière série au niveau du bas du dos, mais cette fois-ci, hop, on va garder la tête reposée. Et on va relever que les jambes.
est-ce que le mouvement parte bien vraiment de toute la jambe. C'est-à-dire que même la cuisse travaille en ciseaux. Ce n'est pas qu'un travail de mollet ou un travail de cheville. On est vraiment sur la totalité de la jambe qui travaille ici vraiment en ciseaux. Allez, il va nous rester 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche de nouveau pour se remettre sur les genoux et sur les mains. Et on arrondit le dos pour soulager le bas du dos. On le sent un petit peu ici au niveau des lombaires. C'est normal, c'est exactement la zone que l'on travaille et que l'on renforce. Allez, vous l'avez compris ? On tire un tout petit peu une dernière fois sur le dos pour se remettre sur les mains. Attention, gainage. On ne bloque pas la respiration, continuez à bien souffler. Allez, pour être à l'aise dans cette position, veillez quand même à garder bien les mains dans l'alignement ici des épaules. Et si tout va bien, eh bien, je vous invite à retirer un bras. Quand vous retirez un bras, essayez de rester vraiment dans l'axe ici de votre tapis. Ça veut dire que j'aimerais qu'on ne s'ouvre pas trop sur le côté. Si vous décidez vraiment de garder un travail avec un seul bras, on reste vraiment bien gainé, bien face à notre tapis. Allez, attention, on repose la main et on repose la totalité. Pour pouvoir repartir, cette fois-ci en gainage sur l'autre côté, on a commencé la petite série tout à l'heure en étant de profil sur un côté. Bien sûr, on n'a rien oublié et on part sur l'autre côté. Vous êtes prêts? Le coude dans l'alignement de l'épaule et hop! Ici, on remonte le bassin et c'est reparti pour 20 petites secondes. N'oubliez pas que si ce mouvement, vous n'êtes pas super à l'aise, je vous invite à rester sur les genoux et à relever quand même le bassin. Allez, on continue. Soufflez bien, gardez cette position. Et attention, on repose et on relâche. Ok. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours avec moi, que ça se passe bien chez vous. Attention, on va pouvoir se mettre accroupi pour tranquillement se remettre debout. Allez, dans cette position, ça va nous permettre de retravailler un petit peu plus sur le bas du corps, un petit peu plus sur le haut du corps aussi. Donc là, ce qu'on va faire, je garde mes jambes à écartement des épaules ici. On relâche un petit peu les épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les bras ici de part et d'autre à hauteur des épaules. Bien sûr, si tout va bien, je vous invite ici à récupérer les petites bouteilles pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de poids au bout de vos doigts. Ici, bras bien ouverts. Attention, petit travail ici, j'ai les pieds bien implantés au sol, petite rotation. Allez, des petits ronds, des tout petits ronds. C'est parti. Allez. Là, je vous fais tenir à peu près 20 petites secondes. Et attention, on va pouvoir redescendre les bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder donc le travail ici au niveau des épaules, mais on va essayer d'utiliser un petit peu plus notre corps pour travailler l'équilibre. Attention, regardez, je récupère ma jambe droite que je vais pouvoir relever. Je suis sur un seul pied. Attention, les bras sont relâchés. On continue ce travail au niveau des épaules. Je descends ici les bras, je les monte à hauteur des épaules et c'est parti. Cette fois-ci, on fera des petites séries de 12. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, allez, les deux derniers, 11 et 12. Attention, on relâche. On peut se remettre tranquillement sur le pied ici. Et là, hop, je repars ici, grande ouverture au niveau des bras. Attention, c'est reparti ici pour mon tout petit rond. Je suis repartie sur mes deux appuis, je repars sur mes 12 petits ronds. Allez.
Allez, encore, encore, encore. Attention. Super. Et on relâche. Je garderai ce travail au niveau de l'équilibre. Ici, j'étais positionnée sur la jambe gauche. Je garde mon équilibre sur la jambe gauche. Attention, non seulement je vais pouvoir lever ce même pied droit, mais je vais le poser ici, sur le côté. Et là, on repartira sur un travail encore au niveau des épaules. Cette fois-ci, les bras, on va les faire partir du haut pour s'arrêter à hauteur des épaules. C'est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, allez, encore, 12. Et attention, je reste dans cette position, je libère mon pied droit. Et là, on va relâcher les bras le long du corps. J'ai toujours pas posé le pied parce que je décide d'aller le poser vers l'avant. Je décolle le talon de la jambe arrière et me voilà en superposition pour travailler sur le bas du corps. Allez, vous êtes prêts? Vous me suivez? C'est parti, on descend en fente. On garde toujours notre équilibre. Allez, ici, 2, 3. Je rappelle les petites consignes de la fente. Veillez toujours à ce que votre genou soit bien dans l'axe ici de votre pied. Et on descend suffisamment et suffisamment. C'est jusqu'à ce que lorsqu'on retrouve notre cuisse ici bien parallèle au sol. Allez, encore. On va rester sur les 5 derniers à faire. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, on redescend une dernière fois. On remonte et on se remet sur nos deux appuis. Attention, je lève les bras. Petit rond de nouveau, c'est parti. Allez, je reste bien sur mes appuis. Les bras restent bien tendus. Attention, vous êtes prêts? On redescend les bras et on relâche. Je repars sur mon premier travail d'équilibre. Cette fois-ci, jambe gauche relevée. On appuie bien sur la jambe droite. Attention, on va repartir sur le même travail ici où on relève les épaules, les mains jusqu'aux épaules. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, on repart sur nos deux appuis. Allez, rappelez-vous, ouverture, c'est parti, le pauvre petit rond. Allez, c'est l'une des dernières séries, courage. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche les bras. Même chose que tout à l'heure, on reste en appui sur notre jambe droite. Attention, vous êtes prêts? L'appui donc sur la jambe gauche. Et là, je repars ici. Bras tendu vers le haut, je descends à hauteur ici des épaules. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est les aléas, moi aussi je perds l'équilibre. Et 12, attention pour garder cette jambe toujours relevée. Et là, on va pouvoir hop, passer cette jambe vers l'avant. On se retrouve du coup sur le talon de la jambe arrière relevée. Attention, vous l'avez compris. On repart donc ici en fente. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour repartir sur nos deux appuis. Attention, cette fois-ci, dernier travail au niveau des épaules.
je bascule le poids du corps sur le pied droit, je relève le pied gauche. Attention, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, je bascule, hop, une dernière fois sur la jambe gauche pour les 3 derniers, 9, 10 et 11, allez, dernier mouvement, on remonte, on redescend et on relâche, super, génial. Est-ce que ça va toujours? Je garde ici mes deux bouteilles. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus de poids ici sur mes appuis et sur mon équilibre, bien sûr. Vous êtes prêts? Je repars ici, jambe droite relevée. Pour pouvoir repartir ensuite pied posé. Il est très important régulièrement de travailler votre équilibre. Ça nous permet quand même de travailler tous les muscles fixateurs au niveau de la cheville, au niveau du genou. Allez. Attention, je garde cette jambe relevée, que je pars poser tranquillement ici, hop, devant. Je bascule le poids du corps vers l'avant, je décolle le talon de la jambe arrière. Attention, vous êtes prêts, vous l'aurez compris, et c'est parti. 1, 2, allez, 3, fentes, avant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, attention, je garde cette position, hop, je bascule sur ma jambe avant. Je décolle donc la jambe arrière qui est déjà décollée et qui est déjà en suspension. Allez, vous m'en voudrez pas? On repart. Petit rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche les bras. De là, attention. Hop, je rebascule ma jambe derrière pour rebasculer mon poids du corps sur la jambe arrière. Je relève donc cette fois-ci, hop, la jambe droite. Tout ce travail d'équilibre, vous pouvez le travailler au quotidien. C'est important de garder cet équilibre. Attention, je mets la jambe sur le genou. C'est important dans le sens où vous travaillez vraiment les muscles fixateurs de la cheville, du pied, la proprioception. Puisque dans la rue, si jamais vous tordez la cheville, vous perdez l'équilibre, de là, eh bien ça vous rend beaucoup plus à l'aise et surtout ça évite les blessures. Attention, je récupère cette jambe. Que je repositionne derrière cette fois-ci. Et de là, je décolle le talon de la jambe arrière pour repartir en fente. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, descendez jusqu'à ce que vous ayez la cuisse parallèle au sol. Allez, 7, 8, 9 et 10. Pour se remettre avec les deux appuis tout proches, je relève mon pied gauche. Allez. Et si à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de vous laver les dents sur un seul pied ou encore de faire la vaisselle sur un seul pied, essayez au quotidien de faire des petites choses en équilibre. Ça va vous faire travailler la proprioception et les muscles stabilisateurs. Attention, hop, je rajoute mon pied sur le côté. Relâchez les orteils. Utilisez la totalité de votre pied, de la surface de votre pied pour essayer de trouver un maximum d'équilibre. Attention, levez les bras. Petit rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 12, on relâche. On relâche, on garde cette jambe relevée. Attention. Ok, pour ensuite la reposer. Allez, on relâche un petit peu les bras. Et regardez, bonne position. Les pieds à écartement des épaules. Ouverture un tout petit peu de la pointe de pied. Alors, vous l'avez compris, c'est reparti pour le bas du corps. Et là, hop, les bras sur la taille, les bras le long du corps, comme vous voulez. En tout cas, squat. Et c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, on continue, je vous rappelle bien, hop, 12, qu'à chaque fois les squats, vous devez essayer de vous asseoir au maximum, et on descend toujours pareil, pour essayer d'avoir les cuisses le plus parallèles au sol. Allez, j'ai compté, il nous en reste plus 2, 1, et attention, hop, on relâche, et on va pouvoir tout reposer. Super. Allez, j'espère que ça se passe bien chez vous. En tout cas, je vous encourage. Allez, on va pouvoir repartir cette fois-ci au sol. Dans cette position, le dos toujours bien à plat, on va se retourner avec la jambe droite relevée vers le haut. Le pied gauche bien au sol. Attention. Hop, je pousse sur la jambe gauche, je me retrouve de nouveau le bassin relevé. On est toujours sur un travail d'équilibre. On va améliorer notre équilibre. Attention, en relevant cette fois-ci les deux bras vers le haut. Vous êtes en train de faire un renforcement musculaire du dessus et du dessous de votre cuisse gauche. Un travail de gainage pour tenir dans cette position sans tomber. D'équilibre bien sûr, puisque vous allez diminuer votre surface d'appui sur votre tapis. Est-ce que tout va bien? Allez. Attention, on pose le bassin. On va pouvoir relever ici les deux jambes. Et là, on est trop bien positionné pour repartir sur une série d'abdos. Attention, vous êtes prêts? On va relever la tête et les épaules et on va amener nos jambes à l'intérieur de nos mains. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Allez, 2, 3, 4, soufflez par la bouche, 5, 6, allez, 7, 8, encore, 9, 10, 11, allez, 12, on va jusqu'à 15, 13, 14 et 15. Pour reposer la tête et les épaules, on va pouvoir reposer les jambes également. Je garde au sol la jambe droite, attention, je relève ma jambe gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, levez le bassin. Donc là, je suis de nouveau en train de contracter ma cuisse dessus, dessous de la jambe droite. Mon équilibre est tenu parce que je gaine et que je garde mon alignement entre mes épaules et mon bassin. Abdos et dos contractés, je diminue ma surface d'appui en relevant les deux jambes, les deux bras vers le haut. Attention, vous êtes toujours bien en appui. Là, on continue à travailler notre travail au niveau de la proprioception du pied. Vous devez sentir que ça travaille sous le pied aussi. Allez, ça commence à brûler au niveau des cuisses. Renforcement efficace. Allez, attention, on repose le bassin. Je garde mes bras relevés, mes jambes relevées. Allez, attention, vous l'avez compris, abdominaux. Et si on augmentait un petit peu la difficulté? J'ouvre les bras, j'ouvre un tout petit peu les jambes. Je les ouvre, mais attention, je garde mon dos à plat. Et là, je vais chercher encore une fois à refermer les jambes entre mes mains. Et je réouvre. Allez, c'est parti. 2, 3, 4.
On récupère les deux genoux contre soi. On va pouvoir les serrer très très fort l'un contre l'autre. Et là, on va pouvoir poser la jambe gauche complètement ensemble et on ne gardera que la jambe droite. Et là, vous allez serrer très fort la jambe droite contre vous. On va utiliser justement ces petits mouvements pour s'étirer un petit peu. Et de là, à chaque expiration, essayez donc, grâce à l'expiration, bien sûr, de dégonfler votre ventre. Mais aussi et surtout à chaque fois de resserrer le mouvement toujours un petit peu plus fort à chaque expiration. Je garde cette même jambe droite dans la main pour aller positionner hop, ma cheville droite sur mon genou gauche. Peut-être que déjà dans cette position vous êtes en étirement du fessier, tout dépend de votre souplesse. Mais si tout va bien, je vous invite à aller chercher l'arrière de la cuisse gauche en passant les mains à l'intérieur de vos deux jambes. Et si tout va bien, on peut encore aller chercher plus loin en allant chercher vraiment le devant du tibia. Dans cette position, vous avez la tête et les épaules relâchées. Allez. À chaque inspiration, j'en profite pour suivre d'une expiration qui me dégonfle le ventre et qui me permet de serrer mon mouvement un petit peu plus fort. Génial. Et de là, je changerai tout de suite de position. Ma cheville gauche viendra sur mon genou droit. Allez, toujours pareil. Si l'étirement suffit dans cette position jambe posée, on reste comme ça. Sinon, je vous invite à aller chercher l'arrière de la cuisse ou encore le devant du tibia. Et une fois que vous êtes installé, tout le reste du corps doit être décontracté. Donc vous devez relâcher la tête, les cervicales, le dos, tout doit être bien appuyé au sol. Prenez le temps d'inspirer et de souffler à chaque fois. Et à chaque fois que vous soufflez, on récupère un petit peu plus le mouvement. Ça veut dire qu'on va essayer de serrer un petit peu plus fort encore. Et là, je récupère mon genou gauche à la poitrine pour laisser tomber cette jambe droite. Et là, je resserre de nouveau très fort le genou contre moi pour étirer le psoas et continuer à étirer un petit peu l'arrière de la cuisse et le fessier. Et on relâche. Allez, on a les jambes allongées, je profite pour tirer sur le bout des doigts et ça nous permet d'avoir rapidement un petit étirement supplémentaire sur les abdos. On grandit au maximum la totalité de notre corps. On tire sur le bout des pieds, on tire sur le bout des doigts, on se grandit et on relâche. Allez, pour se redresser, bien sûr, en passant sur le côté. Et ensuite, on se remettra dans la position accroupie. Dans la position accroupie, attention, on gardera ici les mains au sol. Gardez les pieds au sol également, mains au sol. Allez, et là on va passer le poids du corps vers l'avant. Ça va nous permettre d'étirer l'arrière des cuisses et les fessiers toujours. On relâche les épaules, on relâche la nuque. Et attention, on garde hop, les jambes tendues. Peut-être qu'on quitte les mains du sol. Et là, on va doucement se redresser, doucement, 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 vertèbre après vertèbre, pour soulager le poids ici des disques intervertébraux. Et on se redresse pour pouvoir ouvrir les épaules. Et de là, on va aller chercher les deux mains dans le dos pour essayer d'ouvrir les épaules au maximum. Allez, et là on se grandit, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Et on relâche.
On ouvre. Allez, sur ce, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et surtout, beaucoup de courage. N'hésitez pas pour la recommencer encore et encore. Maintenez votre forme, maintenez l'entraînement, allez marcher. Mais avant tout, n'oubliez pas, planquez-vous!